Journée au Kenya, en Haïti, d'après source qui proche de mission et que nous avons discuté avec eux, évoqué que bon, c'est une journée qui est très chargée. Très chargée, ils ont l'été très tôt, ils ont entraîné, ils ont mangé, ils ont rencontré avec les collègues de la police nationale d'Haïti. Parce que nous devons souligner que, d'après tout ce que nous avons fait, il y a plusieurs étapes dans le travail que nous avons fait. Et pour qu'on y a, il y a une phase, de pré-déploiement, une phase qui a duré 3 mois, commence depuis le premier contingent d'Haïti, 25 juin, qui a duré 3 mois et donc qui a fini en septembre. Donc, phase A sont phases qui marquent par formation, qui marquent par adaptation, qui marquent tout par un rapprochement avec la police nationale. Parce que, bon, Kenya y a une pratique par eux, dans le pays par eux, que ce soit pratique culturelle, histoire, etc., pratique, formation que recevoir qui n'est pas totalement minime avec la police nationale d'Haïti. Donc, tant ça, c'est tant pour adapter eux. Avec la police nationale, là, pour accorder ce qui mérite accorder, pour prendre une formation dans ce qui a rapport à droits humains, pour prendre une formation qui a rapport avec la langue, formation qui a rapport avec les situations d'urgence. C'est un peu. Chita est une formation avec adaptation, avec un nouveau environnement de travail. Ça. Ben demande ça et formation. Communication en pas fin trop codium. Est-ce que n'a pas obligé chercher l'autre alternative, guerrier? Ok. Oui, et Pierre Saint, en essayant là, mando formation ça, qu'il y a à recevoir, que ce soit ça qui a rapport avec langue et droits humains, urgence, etc. C'est chaque jour, il y a un programme dans l'agenda ou bien il y a des moments bien spécifiques dans la semaine qui ça. Bien sûr, il y a des moments spécifiques dans la semaine qui formation au fait. Il y a des jours, c'est cours de conduite qui gagne, par exemple, parce qu'au Kenya, même avec plusieurs pays en Afrique de l'Est, volant machine, c'est des volants qui sont placés à droite, contrairement avec volant machine Haïti qui est placé à gauche. Donc tout ça, c'est des formations qui ont pour adapter avec nouveau environnement du travail. Là. Gagner tout des formations dans question langue de prochaine semaine. Donc c'est des planifications qui faites sous une semaine, côté que gagner des sections troupes divisées en sections et chaque section gagne un commandant chef, gagne un commandant justement qui a lead, qui a géré et commandant ça aller là pour les planifier qui est qui dans troupe yo qui pourrait aller dans telle formation dépendamment de disponibilité à planification qui gagne pour semaine là. On pas qu'à parler de journée pour pas parler de manger, au moins on mange 3 fois par jour, matin, midi à soir. Est-ce que c'est cuisine kenyane ou bien c'est la cuisine haïtienne qui au rendez-vous? Pas gagné aucune spécialité kenyane, spécialité culinaire kenyane menu que Kenya mange en Haïti. C'est plutôt manger haïtien, c'est légumes, c'est jus naturel haïtien, c'est griot, c'est banane, etc. Donc c'est des bails qui fait en Haïti ou bien que vous préparez pour vous en Haïti. Donc pas gagné spécialité culinaire kenyane, pas gagné manger qui sorti Kenya dans menu que Kenya consomme chaque jour. Comment ouais, ambiance là, est-ce que c'est des nègres qui concentrés, d'après ça nous gagne comme données, vous comprenez qui juste c'est là à montrer que nous avons un camp de formation, etc., de concentration, ou bien son ambiance de convivialité, vous comprenez, nous sommes à l'aise, etc., il y a réjoui. Comment nous rejoindre? Bien sûr, yo évoqué joie pour Haïti depuis presque plus qu'un mois par rapport à bien avec l'accueil qui a été reçu depuis l'aéroport Toussaint Louverture 25 juin, même bagaille pour deuxième contingent. Et puis bon avec Haïtiens qui n'ont environ yo parce que en tant qu'un, il y a un paquet d'aspects que d'après sous nous qui ont pris en charge. Par exemple, Kenya, c'est des gens qui sont très religieux. Donc du coup, il y a un révérend pasteur qui accompagne, qui s'est dans la police, qui accompagne, qui réalise culte chaque dimanche. Et puis il y a tous des pasteurs haïtiens qui
à l'organiser des cultes en dedans camp. Donc c'est tout un ensemble d'aspects qui prend en compte, qui crée une convivialité en dedans base là, et qui fait que yo estimé que yo nan place yo à l'aise nan pays pour yo faire ça que yo gagne comme mission comme travail, mais avec un accent particulier sous nécessité pour couper fâché avec pratique ancienne qui a rapport avec intervention internationale en Haïti. Le nous connaît depuis pratiquement 1915 intervention américaine qui était un héritage sombre en Haïti, même bagaille pour différentes autres missions qui vini après, en 2004 par exemple, jusqu'à 2017, donc il y a des cas de violation de droits de l'homme, plusieurs dizaines de cas de violation de droits de l'homme ajoutés sous choléra, qui touillait plusieurs milliers de monde en Haïti. Donc il y a un ensemble de batteries réglementaires que mission ça, d'après ce que nous parlons, mettait en branle pour éviter que des erreurs qui étaient passées répétées. Donc c'est ça qui fait un ensemble d'interdiction. Yo mette, par exemple, pour yo sorti, yo pa gen dwa sorti à titre individuel. Ndaval rive la, oui, Pierre, c'est Ndaval rive la, Ndaval zo, est-ce que genyen policier ka sorti, il ka plané, ou bien que deux jours, dit il ka recevoir visite, on 11 ans, mais qu'il fait en Haïti, etc. Ou bien bagay sa yo, carrément interdit. Et c'est carrément interdit, c'est carrément interdit. J'aime ça dire, c'est pour éviter que ça soit en volonté que, qui manifestait pour couper fâché avec ancienne pratique et ça qui découlait de l'ancienne pratique. Donc, sortie individuelle interdite, recevoir visite interdite, parler avec la presse interdite. Donc, son paquet, utilisation téléphone, c'est pas interdit. Ils utilisent le téléphone d'ailleurs pour parler à la famille, pour aller sur les réseaux sociaux. Cependant, ils n'ont pas accès pour partager des informations, bien des photos, vidéos, par exemple, des vlogs qui liés avec mission. Sinon, photos qui partagent sur page officielle mission sur Twitter, sur Facebook, avec sur la plateforme, qui ont qu'à reprendre, mais ils n'ont pas partager contenu. Ils ont même fait un dedans bazar dépendant de la mission. Donc, si vous qui l'autre bois va décider le font selfie là, pendant la manger, ou bien le font TikTok, pendant la mail, ou bien de la sortie et sous le signal là, pour le poster sur Facebook ou bien sur n'importe quelle plateforme. Non, c'est interdit. Parce que j'aime de la bonne volonté pour yo, éviter qu'il y ait des. Pour raison de sécurité, il y avait question de confidentialité. Donc, il y a des mesures de punir les gens qui allaient à l'encontre des règles, qui violent les règles. Isolement, il y a qu'à suspendre nous. Ça pire, c'est qu'il y a retourné dans le pays. Si toutefois, dépendamment de gravité, cas et on trouve là-dedans, comme policier. On dit qu'il n'y a pas recevoir visite. Non, non, il n'y a pas recevoir visite. Non, tout ça est interdit. Il évite tout contact externe, individuel. Il y a un contact avec le monde, mais c'est le commandant qui décide qu'il est allé rencontrer le monde. Par exemple, il y a quand il y a allé rencontrer, par exemple, je dis à l'heure qu'il y a des pasteurs, des religieux qui viennent faire activité d'église en dedans, basin. Par exemple, dimanche dernier, il y a eu ça. Donc, il y a un contact, mais c'est des gens qui décident dans le leadership. Ce n'est pas vous, en tant que soldat, qui décide en tant que policier, qui décide d'aller dehors à l'encontre. Non, ça, c'est formellement interdit. Et qui ça, vous faites comme loisir, les organes libres? Vous voyez qui ça, vous prenez comme loisir, disons mieux? Eh bien, vous avez un bail, c'est que vous faites un peu de musculation, vous entraînez à. Ils ont entraîné, ils ont fait sport, musculation avec ce qu'ils sont entre eux ou bien l'académie de police avec les policiers haïtiens. Ils ont parlé avec la famille, ils ont un réseau wifi disponible dans l'espace pour parler avec la famille. Et puis tout bon, ils ont entendu des musiques. Ils ont entendu des musiques troubadou surtout, avec compas. Ils ont des compas avec troubadou. Et puis ils ont des spécialités kenyanes, des musiques kenyanes. Que yo tande dedans nan moment que pa gagné service pa gagné exigence soit pour une formation ou bien pour yo nan entraînement la police nan différents patrouilles qui fait déjà en dehors de patrouille yo, en dehors de opération yo, est-ce que y a des policiers qui viennent dans base là assez souvent ou bien dans des moments bien spécifiques dans cas des échanges ou bien dans cas des ambiance n'a parlé la convivialité n'a parlé là entre Kenya et les policiers haïtiens? Je n'ai pas d'informations si les policiers haïtiens qui viennent, mais moi connais qu'il y a un commandant en chef de la police hein, qui rend une visite et des fois, qui a des visites officielles qu'il fait dans la base kenyan.
Par contre, si à titre individuel, il y a des policiers haïtiens qui allaient dans l'espace. Mais nous connaissons qu'il y a, par exemple, d'après Sosno, nous avons allé dans l'académie police dans l'entraînement et puis bon, profiter, familiariser avec les policiers haïtiens. Nous connaissons des Kenyans qui étaient blessés dans le moment où on patrouille dans cette ville de Port-au-Prince. Eh bien, mis à part Kenyan ça, est-ce qu'il y a d'autres Kenyans qui ont des problèmes de santé, soit manger haïtien ou pas faire bien, ou bien climat, ou bien de l'autre malaise? Est-ce que tout Kenyan, mis à part ça que tu es blessé, ils sont en pleine forme selon l'information dont nous disposons? Bien sûr, oui, ils sont en pleine forme. Et voilà, justement, des grands Kenyans, un policier Kenyan qui était touché dans l'épaule, dans le moment de faire intervention, d'après les communications que le bureau de communication kenyan n'a pas sorti, force kenyan n'a pas sorti. Mais d'après les informations, les policiers li reprennent, li gen pour retourner dans l'entraînement bientôt, pour les intégrer pleinement, réintégrer équipe policiers pour continuer à faire ça que yo gen pour faire. En attendant, on dit qu'il y a un préparatif qui a fait pour accueillir nouvelles troupes qui a payé pour qui a bien pour venir. Mais oui, dans le même article, on dit Jamaïque et Salvador, c'est parmi les pays qui déjà gagné, déjà venu en Haïti. Ça veut dire qu'il y a des troupes là, dans le moment où on a parlé là. Non, c'est pas troupes, c'est plutôt des missions, okay. Assessment mission. C'est des gens qui viennent préparer. Voilà, c'est des monde qui viennent garder, qui viennent faire planification pour faire planification pour troupes qui a bien pour venir dans prochain jour. Pas une date pour ça. Dans prochain jour qui a bien pour venir dans le pays. Donc sans doute c'est Jamaïque et Salvador qui a bien pour venir dans le jour qui va venir. Mais entre temps, il faut nous dire que il y a une situation de sécurité qui était salée. Nous connaissons diverses interventions, divers cas qui recensés soit dans Gantier, dans Grissier, dans l'Antibonite et divers autres côtés tout le pays. Sous nous mentionner justement si une phase qui est une phase pré-déploiement. Donc une phase pré-déploiement n'est pas qu'à de grosses interventions qui fait. Donc du coup il y a en tout temps il y a apprendre, il y a former et puis bon il y a tout le matériel tout parce qu'il y a plein en pile pour ma qualité et quantité insuffisante matériel qui est disponible pour qu'on y a. Donc, il y a l'autorité haïtienne, qui est l'autorité haïtienne, l'autorité kenyane, qui plaignent pour ça. Donc, il y a plein de matériel, il y a formé, et puis bon, il y a plein de phases, trois premiers mois qui constituent une phase pré-déploiement terminée. Et puis, pour garder l'autre suivi, qui fait dans l'étape que vous dites, vous suivez dans la mission que vous avez en Haïti.